Le pétrole, c'est ce que visent les nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Trois compagnies sont concernées, Rosneft, Transneft et la section pétrolière de Gazprom. Elles ne pourront plus emprunter en Europe ni y vendre leurs titres. Une manière de frapper l'État russe au portefeuille puisqu'il contrôle ces sociétés à plus de 50%. En revanche, les Européens ne touchent pas au gaz russe, dont ils sont très dépendants. Une vingtaine de noms sera aussi ajoutée à la liste des personnalités russes et ukrainiennes interdites de visa et les restrictions sur les ventes d'armes ou de biens à double usage civil et militaire sont renforcées. L'Union européenne ne reviendra sur ces mesures que si le cessez-le-feu en Ukraine est respecté et durable.